C'était quoi Il est un peu trop rapide dans les câlins. Je suis un jeune chiot, comme tu dis, toi. Dans quelles circonstances vous montrez-vous trop speed selon votre femme ? Bah, les câlins, peut-être. Ah. Bah, dis toujours que je suis encore un jeune chiot, on va dire. Très bien. Après, ouais, je suis encore un peu fugueux, on va dire, un peu... Ouais. Bah, déjà, vous reprochez qu'il n'y en ait pas assez, si en plus c'est trop rapide, à un moment... Stéphane. Moi, je dirais inspecteur des travaux finis. Ah. Et puis speed, parce que, voilà, je fais... Par exemple, quand on part en voyage, comme pour venir à une émission, ben, elle prépare tout, les bagages, tout ça, et ben, moi, je suis tranquille, je fais mon petit café... Et puis au moment où j'ai décidé qu'il fallait partir, je speed tout le monde, quoi. Il faut que ça avance. Donc on le mettrait comment vous le rédigez ça, Pascal? Voilà, c'était la question que je voulais me poser. Voilà, c'est pas facile, ça semblait bien. Pour les départs en week-end ou les départs en vacances. Voilà, speed. Ça va? Ouais, d'accord. Ouais, allez. Ça vous va? Très, ouais, bien. Très bien. Eddie. Moi, en principe, je suis un homme très cool, mais je speed beaucoup quand je regarde le foot à la télé. Et donc, devant un match de foot, là, vous pouvez vous énerver? Ah oui, oui. Ah, ça peut monter dans les tours? Ah oui, ah oui, ah oui, ça monte très dans les tours. Mais que ce soit n'importe quelle équipe, hein, ouais. Les Diables Rouges, l'équipe de France... D'accord, ouais. Ça, c'est un truc, ça vous... Ouais. Ah oui. Bon, c'est noté. Patricia, dans quelles circonstances Eddy se montre-t-il trop speed avec vous? Alors, j'hésite entre deux... Parce que moi, je suis quelqu'un de très... Speed, déjà? Très, très speed. Lui, c'est cool. Oui, mais il y a un truc très pour lequel... cool. Donc, par contre, il est toujours prêt avant moi. Et alors, ce qu'il aime bien aussi, c'est la vitesse. Ah. Donc, je pense que je partirai plus sur la vitesse. La vitesse au volant? Au volant. Que j'aime bien, mais je partirai là-dessus. Eddy, lui, nous a parlé du football. Il peut s'énerver, il peut devenir très speed, ah oui, devant un match de foot, paraît-il. Mmh. Angélique. Alors, comme ça, moi, ça me ferait plus penser, quand à la maison, il décide de faire des travaux, bon, il planifie, il n'y a pas de problème, mais une fois qu'il est parti, voilà, il faut que moi, je le suive, parce que c'est moi le manœuvre. Donc, il faut que je... voilà, il faut que ça aille vite. Et ouais, moi, des fois, ben, je ne suis pas prête à ce moment-là et je n'ai pas spécialement envie de faire la peinture à tel endroit, poser du bois à tel autre, ouais, aller faire le bois pour la cheminée. Enfin, voilà, voilà. Donc, des fois, il est trop speed sur ça. Il est trop speed par rapport à ça. Stéphane, ouais, lui, nous a parlé... des départs en week-end. C'est-à-dire qu'il va être très, très cool. Et puis, par contre, quand il a envie de partir, il faut que tout le monde... Ouais, mais ça, ça ne me gêne pas du tout. Ça, ça ne vous gêne pas? Ah, pas du tout. Bon. Gwendoline, selon vous? Alors, moi, je dirais que Jessie, il est un peu speed. Quand je suis en train de manger, comme moi, je mange très lentement parce que je prends mon temps. Par exemple, il arrive avec l'éponge et hop, il passe sous ma assiette pendant que je suis en train de manger. Ah, ça, c'est... Ouais. Donc... Où au départ qu'on était ensemble, il faisait le lit, j'étais encore dans le lit en fait. Il faisait, d'accord, un lit sur moi. Donc moi je dirais que c'est plutôt, ouais, niveau... parce que moi je suis beaucoup plus cool. D'accord, cool, cool. Voilà. Gwendoline, est-ce que vous vous souvenez de la première partie de l'émission, de ce dont on a parlé pour la première question tout à l'heure? Ce qu'il y avait, ah, de moins souvent, c'était quoi, si vous faisiez moins souvent? J'aurais hésité en plus. C'était quoi? Il est un peu trop rapide dans les câlins. Je suis un jeune chiot, comme tu dis, toi. Speedy Gonzalez. Ouais, mais ça, il a fait des progrès quand même. Avec, ah bah, je les sais années. Pas. Je suis pas là pour chronométrer, Gwendoline. Eh, on c'est lui qui. Sur du 3 minutes, hein. C'est pas mal quand même. Voilà.